Anthropologie et va prendre votre ami. Ok. Dans votre ami. Go, 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 go. C'est pas. Autre, si on vous passe dans vite, c'est pas ça. Ouais. Bon, ok, donc, sinon. Bonjour, on se retrouve pour un tout nouveau Fart League. Donc, je sais pas si vous avez suivi la date, mais maintenant il y aura des, il y aura une nouvelle date de Fart League. Il y aura des Fart League tous les mardis soirs. On va essayer d'en faire tous les mardis soirs. Fart League tous les mardis soirs et Fart League tous les vendredis soirs. Voilà. Avant c'était tous les vendredis soirs, mais maintenant ça, la date a changé. Ouais. Comme on faisait moins de Fart League, maintenant les mardis soirs et les vendredis soirs, un nouveau Fart League. Voilà. Donc on se retrouve avec Tegmo bien sûr. Yo. Donc dans ce court métrage, du coup il y aura Jennifer et Saiba, je vous fais un petit résumé. Il y aura Jennifer, donc elle a perdu la mémoire, et Saiba, donc l'amie de Raven, qui vont se rencontrer et qui vont devenir amis. Voilà, je vous dis pas plus. Voilà, et donc ouais, ben, on commence. Voilà, ouais, okay. Et du coup je trouve ça un très bon visionnage. Et entre que bon, moi j'allais prendre mon quad, qui est ultra bon d'ailleurs. En plus, c'est un lama qui me l'a donné. Là, je sais pas ce que c'est ce lama depuis 10 ans. Déjà, avec Octave, c'est... Je me souviens plus, mais t'as les Spiderman. Ah oui, c'est ça. Apparemment, il m'a dit qu'il y a des gants Spiderman. Ah, au secours, aidez-moi, bonjour, monsieur. Oui. Avec ton scooter, là. Ok. C'est quoi votre scooter, là? Enfin, c'est un quoi, en fait. Bon, bref, vous avez vu comment, attends, monsieur? Parce que, en fait, moi, là, je suis un Jennifer, Walter. Jennifer, Walter, oui, c'est moi, c'est bien moi. Vous connaissez une personne qui s'appelle Raven? Une personne qui s'appelle Raven, non, je connais pas. Attendez, mais Raven, elle m'a dit. Raven, elle m'a dit que vous êtes amis, je sais pas quoi. Bah, elle a dû se tromper de nom alors, parce que moi, parce qu'il n'y a qu'une seule Jennifer Walter et c'est moi dans le monde. Oui, non, mais Raven, attendez. Parce que j'ai trompé de personne. Quoi? Mais vous appelez bien Jennifer Walter, attendez. Oui, je m'appelle Jennifer Walter. Attendez, vous appelez quelqu'un. Je m'appelle Raven. Allô, Raven? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais. Mais je dois me mettre des bandages là parce que tout à l'heure je me suis coupé la jambe sans faire exprès. Ah, mais si je voulais te dire. Oui. Elle s'appelle vraiment Jennifer Walter, ton amie? Oui, Jennifer Walter et Julie. Je connais pas son famille. Mais Julie. Ah. Non, je veux juste savoir ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, pour rien. Vas-y, bye. Ok, ben bye. Ok, donc vous avez appelé cette Raven? Ouais, mais elle a dit vraiment que c'est vous, Jennifer Walter. C'est pas si bizarre. Bah, je sais pas, moi. Bon, après, c'est ce qu'elle m'a dit, hein. Ah, il y a quelqu'un qui vous appelle. Ah, oui. Allô? Ouais. Si tu vois Jennifer Walter, la dernière fois que je l'ai vue, c'était elle était multicolore avec elle avait deux espèces de petits marteaux, deux petits marteaux, et derrière elle avait une balance ou je sais pas trop quoi, mais un truc de balance. Voilà, si tu la vois, et des lunettes et une queue de cheval aux cheveux. Attends. Je vais te dire un truc, en fait, là, ça s'en va en fait. Attends, quoi? T'as retrouvé Jennifer, mais elle n'est pas avec Julie? Non, je sais pas, elle est venue comme ça, à la fin rue. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Jennifer Walter, mais j'ai dit, vous connaissez Raven, elle a dit. Je sais pas, elle a dû perdre la mémoire. Je sais pas, parce que peut-être que quand elle est morte, quand elle est morte à cause de la tempête invisible, et ben peut-être que là elle est revivante, mais elle a fait une nouvelle vie ou je sais pas, mais peut-être qu'elle a perdu la mémoire, donc il faut essayer de lui rappeler la mémoire. Et t'es sûr qu'il n'y a pas Julie ou je sais pas? Non, ou Alexa, Julie ou Alexa, un truc comme ça. Non, elle est vraiment toute seule. Ah, au pire essaye de lui faire rappeler la mémoire, ok?
Ok. Bon, bah, et moi je continue mes pansements, enfin mes bandages. Bip, ouais. Bip. Oui, donc vous avez appelé cette Raven. Enfin, vous avez répondu à Raven. Oui, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Julie? Julie? Ah oui, en fait j'étais enfermée dans une prison bizarre. Ils avaient vu quelqu'un qui s'appelait Julie. Donc on s'est rencontrés, on est devenus amis très vite et voilà. Mais sinon après j'ai plus de souvenirs d'elle. Tu sais aller où? Bah, la dernière fois que je l'ai vue c'était dans la prison. Et d'ailleurs quand dans une prison. Et d'ailleurs j'avais aussi rencontré une fille Lexa. Bon bref. Et quand une fille Lexa et en fait on était enfermés dans un gros vaisseau et quand la reine du cube et du coup moi j'étais sortie du gros vaisseau donc de la prison et j'étais partie à Gobafort donc la ville où il y avait le compte à rebours et j'ai rencontré bon bref voilà j'ai pas vous dire sur ma vie et quand la reine du cube a commencé la fin et ben elle a ouvert l'ultime réalité donc une grosse faille un gros portail on va dire où il y avait plein de vaisseaux mères et tout. Et donc c'était l'ultime réalité et j'ai vu Julie et Lexa tomber de l'ultime réalité du gros vaisseau. Donc après j'ai vu dans la lave. Ils sont tombés dans l'eau. Après je les ai plus revus. Ils sont tombés dans l'eau. Dans l'eau vers la neige, vers le sable. Non, mais ça c'était un chapitre 2 qu'ils sont tombés. Ils sont tombés dans l'eau. Donc j'imagine que comme Lexa s'est retournée, j'imagine que. Ils sont pas encore dans le chapitre 2 comme l'île s'est retournée donc là ils doivent être sur l'île actuellement ou noyés. Ok c'est sûr. Je vais envoyer un SMS à Raven. Toudou. Ah vous avez répondu. Attends, je vois. Alors. Ok, c'est cool. Essaye de les retrouver, s'il te plaît. Ok. Donc qu'est-ce que vous voulez faire là? Vous voulez essayer de trouver Julie et Alexa? Ouais. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un truc. Quand ils sont tombés dans l'eau, du coup, et ben juste après, et ben du coup, j'étais dans l'eau moi aussi. Et après, il y a un tsunami qui est venu sur moi. Et du coup, après, j'ai avancé sur l'île de Fournier, chapitre 3. Et juste après, j'ai vu Julie et Lexa monter sur l'île. Donc voilà, après on s'est revus et tout. Et ils ont dit qu'ils allaient vers le côté à côté de Greedy Groove. Qu'ils allaient à côté de Greedy Groove. Donc ils sont peut-être là-bas et on devra aller chercher là-bas. Ok, vas-y, on y va. Est-ce que c'est parti? Tu vois, c'est vraiment bizarre ça. Ouais. On n'a pas trop un truc comme ça, c'est une histoire. En plus, ça fait depuis un an, c'est bien ça. Je suis même pas deux ans. Bon, bref. 1 km à pied, ça use. 1 km à pied, ça use les souliers. Bon, bref. C'est pas Greedy Groove, je crois que quand ils ont dit à côté Greedy Groove, c'était ici. Ici, ok, on est là, ici. Un peu long, quand même. Ouais, mais au pire, on a qu'à se téléporter. Y'a pas des trucs pour se téléporter? Ici? Je sais pas. Ah oui, j'ai une téléportation, je peux bien. 3, 2, 1, go! Parfait, vous êtes invisible, monsieur. Ah non, c'est bon. Donc, attends, quoi? Mais attends, c'est quoi ça? Île du Nord, île de l'Ouest, île du Sud et île de l'Est. Ah, c'est alors, l'île de. Attends, île du Sud. Ouais. Non, c'est l'île de l'Ouest. Ouais. C'est. Ouais, du coup, on sera le plus proche de. C'est où, voilà, c'est bon, je sais pas, bref, on y va.
Ok, donc au pire, j'ai une idée. Vous, vous cherchez dans la maison qui est juste ici, qui est juste là. Ok. Et moi, je vais chercher à l'endroit où il y a les toiles d'araignées bizarres, chelou. Parce que c'est chelou, peut-être qu'ils sont allés explorer les toiles d'araignées. Attends, c'est plutôt... Viens, on va plutôt nous deux voir. C'est bizarre. Je l'avoue, par contre, ça. Oh, c'est quoi ça? Oh, y a quelqu'un qui a perdu son sac à dos d'école, son sac d'école. C'est bizarre ça, avec des toiles d'araignée. Spider-Man qui doit mettre tout ses sacs à dos. Oh, j'ai. Ah, je suis devenu une araignée. Ah, c'est vraiment sérieux, c'est Spider-Man. Purée. Ah, je me suis transformé en araignée ou pas? Aïe, je me suis transformé en araignée. Non, c'est juste que t'as des gants de Spider-Man. C'est qui Spider-Man? Mais je comprends pas, c'est chelou ça par contre. Oh, il y en a un autre si vous voulez les gains. Si vous voulez avoir encore des gains. Ouais, je vais essayer ses pouvoirs. Non, pas ses pouvoirs, mais ses ans. Il l'a jeté partout, par hasard. Et des bêtises. Voilà. Pourquoi vous êtes énervé contre lui? Ouais, c'est que des bêtises. Ouais, c'est trop beau. Ouais, c'est trop cool en vrai ça. Ouais. Ouais, et sinon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Parce que bon, là, ils sont pas là. Et moi, j'ai entendu retrouver la mémoire quand vous parlez avec Raven. Vous étiez en haut-parleur. Quoi? Vous étiez en haut-parleur quand vous avez parlé avec Raven et j'ai entendu retrouver la mémoire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, en fait, rien. Ok, bon, je vais rappeler Saïba, moi. Je vais rappeler Saïba. Allô, Saïba? Ouais, allô. Donc, c'est bon, t'as réussi? De quoi? À retrouver Raven et Alexa. Jenny, oh, Julie et Alexa. Non, je les ai pas trouvés. Ok, et t'as réussi à faire retrouver la mémoire à Jennifer? Non, j'arrive pas. T'as essayé au moins? Oh oui! Tu es sûr? Parce que moi j'ai pas trop. Ouais. Bref, bon bref, au pire je sais. Essaye de lui parler un peu de son ancienne vie. Par exemple de Fort Lily, de Jennifer, de Hexa. Voilà quoi, des trucs comme ça. De oh punaise, comment elle s'appelle? De Ruby, parce que elle était énervée contre Ruby, donc ça pourrait peut-être voilà. Ouais, je vais déjà dire quelque chose comme ça. Vas-y. Attends. Je ok. Vas-y, va y avoir. Tata, ça comptera un peu, pas tout. Hein. J'ai un truc à dire. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père, je... dire que je... je vais t'en faire, je vais te dire que... Bon, je dirai après. Tu quoi? Est-ce que tu te rappelles de Ruby? De Ruby? C'est qui Ruby? Le petit Ruby là, le petit diamant, le petit Ruby, c'est ça? Quoi? Le petit Ruby, le petit diamant. Mais non, c'est pas ça. Oh. Ah, c'est il y a des... Ah si, ça me rappelle des choses, mais sinon ça me rappelle ça me rappelle quelques souvenirs, mais non, je crois que je dois rêver. Alors j'ai jamais entendu parler d'elle. Ça me rappelle ça me rappelle des trucs, mais enfin je sais pas en fait. J'ai l'impression de déjà vu, mais voilà quoi.
Et je te rappelle de ton ancienne ville, Dark RP. Dark RP? Dark RP. Ça me dit aussi quelque chose, mais sinon, non. Comment c'est ancienne ville? Là, je suis normale. J'ai vraiment perdu la mémoire, du coup. Connais la ville Dark RP. Attends, mais ça me rappelle des trucs, mais donc j'ai vraiment perdu la mémoire? Hein? J'ai vraiment perdu la mémoire, du coup? Non, c'est normal. Ok, j'ai perdu la mémoire. Bon, donc là, t'essayes de me faire retrouver la mémoire, c'est ça? Ouais, on peut dire ben, ça. Ça me rappelle quelques trucs, mais sinon, voilà quoi. T'as d'autres trucs à me dire? T'as d'autres trucs à me dire sinon? Est-ce que je te rappelle de Park League? Park League? Non, j'ai jamais entendu ce nom de ma vie. C'est vrai, tu as dans tes souvenirs. Ah, Park League, oui! Oui, à la fin, il y a League, comme Rocket League! Mais non, c'est mais ça. Oui. Ah, non. Est-ce que tu connais Rocket League? Oui, j'ai déjà entendu parler pendant que j'étais en prison. En fait, viens, viens t'installe le jeu, on joue ensemble. Non, j'ai la flemme. Bref, bref, en fait, il y a la reine du cube. Pendant qu'elle nous parlait, et ben, elle nous disait d'ailleurs, tiens, installe Rocket League. Tu vas tester Rocket League. Moi, je connaissais pas Rocket League. Et du coup, elle disait installe ou je te tue. Ok, donc je l'ai installé. Et après, j'ai désinstallé quand je suis sortie. Et voilà. Ouais. Attends, j'ai envoyé un SMS à Ravonne. Oh punaise. Je pense que je suis trouvé un mot de dingue. Ne le dis pas. Ouais. Attends, quoi? Comment ça, t'es tombé amoureux de Jennifer? Attends, j'ai envoyé. Parce qu'elle est trop belle. Elle a des seins. Oh, voilà. Et elle est très sec, voilà. Et après, elle est voilà, et je l'ai fait par hasard. Elle était vraiment avec vous. Ça t'appelle? Ça t'appelle? Ah, elle m'appelle! Ah, oui, c'est pas. Allô? Et comment ça tombe amoureux de chut, de toi? T'es qu'à couper le haut-parleur aussi, t'es bête toi. Est-ce trop pour ma montre quand elle s'énerve? Pourquoi? Bah parce que tu connais Hulk. Ah mais pourquoi elle s'énerve? Non mais juste, est-ce que tu connais Hulk? Ouais. Bah en fait elle. C'est Hulk, ma fille. Tu comprends? Ah, mais pourquoi elle comprend qu'on a Hulk? Elle est énervée, pourquoi? Non mais c'est quand elle est énervée des fois, quoi. Ouais, mais quand même. Oh, punaise, il regarde pas Marvel, lui, ça se voit. Non, en fait, moi, je regarde tout seul. Ok, d'accord. Alors, toi, t'es chou. Non, surtout pas des femmes. Ouais, non. Bon, là, t'es trop bizarre. Bon, là, je vais raccrocher. Bon, là, t'es trop bizarre. Bon bref, donc ça parle ici à lui faire retrouver la mémoire. Non, pas trop. Mais tu le dis pas. Tu le dis pas non. Que je suis... Aïe oh. Putain, c'est bien, faut que j'aille à ce genre. Non, mais sinon, sinon, on va découvrir que c'est amoureux d'elle. Non, je ma tête, qu'est-ce que je fais ici? Je suis où, là? Je suis dans quel monde? Oh, punaise. Ah. Les gars, Spider-Man, quoi ça encore? Oh punaise, c'est quoi encore ça? J'arrive. Aïe! Punaise, j'en ai marre. C'est quoi les gars Spider-Man? Mais oh, Spider-Man, ne me dis pas qu'il a encore posé ses gants. Oh, je l'avais dit d'arrêter de poser ses gants partout. Punaise. Oh là. Jennifer. Et continue. Bref, sinon, où suis-je? Mais où suis-je? Je suis pas dans la ville, moi. Alors, Jennifer. Ah, t'es qui toi? T'es qui toi? T'es qui toi? Je suis Taïga, on s'en rencontrait.
T'es qui toi? Et non, et ne bouge pas, ne bouge pas. T'as dit quoi? Mais d'ailleurs où suis-je? Mais qu'est-ce que je fais là? Et t'es qui toi? Moi je m'appelle Saïba, je suis l'ami de Raven et toi. Raven, mais elle est où Raven? Attends, t'as repris la mémoire? Quelle mémoire? T'as même perdu la mémoire? Hein? Ah bah dis, toi t'es trop chelou. Bref, tu t'aurais pas vu une fille bricoleuse, elle s'appelle Julie? Ouais, mais... Non, je l'ai jamais vue, mais on s'en connaît. Je sais où aller. Et du coup, allez Raven, parce que normalement, moi, je l'avais dit que c'était elle qui devait s'occuper de Fortrix si un jour je mourais. Elle est où? D'ailleurs, normalement, je devais pas être dans une ville avec une tempête invisible ou je sais pas quoi là avec Julie. Bon, en fait, je vais t'expliquer. Genre, dans la tempête, t'avais perdu la mémoire. Et oui. Du coup, après, t'es la reine du cube, t'as coincé dans. Après, quelle reine du cube? C'est en sens fictif. Et elle t'a mis dans une prison, et après, tu t'es libérée parce qu'elle était morte. Et après, elle est allée ici dans ce bronze, et puis voilà. Ok, d'accord. Moi, j'ai raté beaucoup de trucs. Et où elle est, Lexa aussi? Parce que Lexa aussi, elle devait s'occuper de Force League. Ok. Et du coup, vous savez pas où est Julie, c'est ça? Hein? Vous savez pas où est Julie, c'est ça? Bah... Apparemment, tu vois, quand t'avais pas vu la mémoire, tu m'avais dit qu'elle était vers Grisée Grove, je sais pas quoi, mais on l'a pas trouvée, du coup... Oh punaise, il faut absolument que je la retrouve. Vous êtes très... Comment dire Par contre, j'ai un petit souvenir quand j'avais perdu la mémoire. J'ai un petit souvenir qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Seiba qui m'aimait. Oh, c'est moi, il s'appelle. Attends. Il s'appelle Miruel. Miruel. Miruel, ouais, c'est le Miruel. Voilà, Miruel. Ok Miruel. Ok. Et du coup t'aurais pas vu quelqu'un qui s'appelle Saïba, je vais le massacrer. Ah non, il y a eu la vie. T'inquiète pas, je te l'ai dit quand même, c'est vrai. Ok, d'accord. Ouais. J'étais à l'œil. Ouais. Pierre Raven, j'aimerais lui parler. Enfin j'aimerais que vous lui parliez et que vous. Bon, bref. J'imagine que tu n'as toujours pas fait retrouver la mémoire à Jennifer. Donc, on va repartir à zéro. Tu viens tout de suite. Voilà, et du coup, voilà. Et sinon, moi, je vais raccrocher. Voilà, malheureusement, j'ai rien entendu. Allez, bip, 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 bip. Allô? Oui, je voulais juste te dire, paye-moi un McDo. Bip. Bip. Qu'est-ce qui se passe, Saïba? Saïba, je sais que c'est toi, Saïba, ok? Ah bon? Je prends pas. Bref, Miruel. T'as parlé avec Raven, qu'est-ce que ça dit? Rien. Okay. Attends, elle sait pas que j'ai retrouvé la mémoire? Non, c'est ça. Oh punaise, on est mal. À suivre.